Qui est Guy Goffet? Ben, drôle de coco. En fait, je m'appelle Guy Goffet, mais je ne sais pas du tout qui je suis. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'écris. Je crois que c'est une des raisons, en tout cas. Parce que quand même, écrire, quelle aventure idiote. Passer son temps à gribouiller du papier, comme disait mon père. Et tu vas nourrir tes enfants avec ça? Et je le comprends. Donc écrire, ce n'était pas vraiment ma vocation. Mais je voulais me connaître. Je veux toujours me connaître. Et je crois que la poésie est la seule voie, et la voie royale, pour se connaître. Étant donné que moi, je ne vais pas voir les psychanalystes et... Vous savez, un psychanalyste, c'était une vache. Elle venait chaque fois, j'étais malade, elle venait au bord du pré, elle se penchait vers moi. Je l'écoutais, je l'interrogeais, je lui proposais mes mots en échange d'un balancement de queue. Et ça se passait comme ça. Non, c'est vrai, Guy Goffet écrit des poèmes. Pourquoi et comment il est devenu poète d'abord? Il a choisi cette langue qui est la langue essentielle, celle par laquelle les mots vont plus loin que leur signifié et leur signifiant, vont plus loin que leur signifié populaire, intellectuel, voilà, plus loin. C'est un... vous savez ce que disait Breton, les poètes font marcher ensemble des mots qui ne se diraient pas bonjour si on les rencontrait dans la rue. Ou qui se taperait dessus. Enfin, je dis que c'est Breton, j'en sais rien, c'est peut-être moi-même. Mais à force de lire, on ne sait plus très bien ce qui est à l'un et qui est à l'autre. Nous sommes tous des parasites, disait Aragon. Nous vivons sur le dos de ceux que nous avons lus et que nous pillons allègrement, même si nous ne plagions pas. Non, mais il faut bien que je m'adresse à quelqu'un pour parler. Donc, dire qui est Guy Goffet, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, j'écris ce que je ne sais pas, j'écris avec la langue que je pense la plus pure, et sans vouloir gagner quoi que ce soit avec cette langue. On sait que les poètes, être poète ne paye pas, bien que ça n'ait pas de prix. J'écris ce que je ne sais pas. Ça, c'est le poète. Un écrivain, il écrit ce qu'il invente, ce que sa mémoire lui fournit, ce que son imagination lui donne. Un journaliste, il écrit ce qu'on lui donne en pâture et qu'il rapporte plus ou moins de façon exacte ou inexacte ou orientée. Un poète, il écrit ce qu'il ne sait pas. C'est pourquoi la poésie est impossible à fabriquer. On écrit ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on est porté par quelque chose qui nous vient vraisemblablement de nous, et pas qui ne tombe pas du ciel, bien que j'aime bien le mot inspiration parce qu'on n'en a pas d'autre, qui fait que par une heure indue, une heure de détente particulière, tout à coup, les mots vous saisissent à la gorge ou vous saisissent au cœur et qu'ils font palpiter. Et vous avez un verre. Et le verre vient comme cela. Et vous l'accueillez. Il arrive par une belle journée de printemps. Il faisait beau dans la rue. J'allais à l'école. J'allais prendre ma classe. Et il faisait vraiment trop beau pour aller s'emmerder à l'école. J'ai écrit dans ma tête. Je me disais aussi, vivre est autre chose. Voilà, vivre est autre chose. Et puis, arrivant en classe, je l'ai écrit. Ce vers, qui n'en est pas un, qui peut être n'importe quoi, mais qui le deviendra par le rapport qu'il aura avec les autres. Si rapport il y a. Et tous les jours, après avoir fait corriger mes copies, le soir, très tard, quand les enfants sont couchés, et la femme... Je m'étais mis à table et partant du maître que m'a donné mon premier vers, le vers qui m'est donné, je suis parti et j'ai écrit à l'aveugle ce que je ne savais pas, bien sûr.
Mais je pense que je le savais trop ce que j'écrivais. Parce que le lendemain matin, je me disais, mais c'est complètement stupide. Et ainsi, j'ai pu jeter pendant 5 ou 6 mois la suite du poème. Et puis j'ai abandonné. J'ai dit, c'est inutile. On ne peut pas forcer. On ne peut pas écrire, fabriquer un poème de toutes pièces. Donc, un jour au matin, j'étais en retard. Ma femme me pressait. On t'attend à l'école, les élèves t'attendent dehors, ils sont en rang déjà par deux. Et je ne bougeais pas, j'étais à ma table, à la table de cuisine de province, et j'avais mon bol de café, avec mon bol vide, où je ne lisais rien, ni mon avenir, ni rien du tout. Et tout à coup, j'ai poussé ça et j'ai écrit. Le poème. C'est le seul poème que je connaisse de moi. J'en connais beaucoup d'autres poètes, mais de moi-même, je ne connais que celui-là, parce qu'il a mis 6 mois à venir. Il est venu d'un jet. Au moment où je ne l'attendais plus, au moment où j'étais détendu, au moment où j'étais disponible, au moment où le creux s'était fait en moi, et j'avais reçu. Et j'ai reçu les choses. Je me disais aussi, vivre est autre chose que cet oubli du temps qui passe et des ravages de l'amour et de l'usure, ce que nous faisons du matin à la nuit. Fendre la mer, fendre le ciel, la terre, tour à tour, oiseaux, poissons, taupes, enfin, jouant à brasser l'air, l'eau, les fruits, la poussière, agissant comme, brûlant pour, marchant vers, récoltant quoi ? Le ver dans la pomme ? Le vent dans les blés, puisque tout retombe toujours, puisque tout recommence, et rien n'est jamais pareil à ce qui fut, ni pire, ni meilleur, qui ne cesse de répéter, vivre est autre chose. En écrivant cela, j'étais sûr d'avoir un poème, j'étais sûr, je le sentais. Il roulait dans ma tête et il roulait dans mes sens. Il était fini, je l'ai fait travailler. Voilà comment on écrit un poème, voilà comment tout à coup, on a dit la seule vérité qui comptait pour soi, c'est que vivre est autre chose. Naturellement, en disant cela, je rejoins simplement quelque chose qui a déjà été dit par Rimbaud, qui disait « la vraie vie est absente ».